Bonsoir. C'est un petit message que je veux passer à certaines d'entre vous. Certains ou certaines. Je suis avec une cliente ici. Elle est mariée depuis plusieurs années. Elle vit un peu comme si c'est l'ombre d'elle-même parce que son mari a attrapé un message qu'elle a échangé avec son amant. Il y a de cela 4 ans. 4. Et à cause de ça, bien sûr, je suis sûr qu'elle a arrêté la relation. Vous connaissez ce que c'est. Genre, je suis désolée, chérie. Wow. Et tu sais que quand tu attrapes l'homme, il ne va même pas te dire que j'ai arrêté. Quand tu l'attrapes, il ne va jamais te dire que j'ai arrêté. Même d'abord, je ne vais jamais reconnaître qu'il était dans la relation. Donc, il l'attrape. Et en conséquence de cela, il vivait toujours à la maison, hein, 4 ans plus tard. Il est devenu hystérique avec elle. Il l'insulte tout le temps. Ils font chambre séparée déjà depuis 2 ans. Violence même. Vous imaginez mentalement ce que c'est pour une femme. Tu commets une erreur. Parce que les femmes n'ont pas droit à l'erreur, bien sûr. Tu commets une erreur. On t'attrape. L'erreur là te suit 5 ans après. Et si tu n'as pas le mental qui est fort, tu vas t'auto-détruire. Donc tu vas passer ton temps à ruminer. Oh, pourquoi j'avais même fait ça? Tu vas encore voir la scène. Pourquoi j'avais? Oh, comment est-ce que j'ai pu? Oh, c'est vraiment. Je suis qu'une. Et vous connaissez tous les mots qu'ils vont vous donner. Ils vont faire les conseils familiaux. Tous les 6 mois, il faut que tout le monde sache ce que tu as fait. Et ce n'est pas. C'est comme ça que vous avez le cancer de sein, cancer de l'utérus, l'hypertension. Je n'en vois pas. Écoutez, est-ce que vous savez même qu'il y a souvent les choses qu'on lance déjà que on t'envoûte. Tu trompes ton mari. Donc tu lances, tu ne sais pas ce qui te prend. Te voilà chaque jour, tu es un petit gars dehors là-bas. Chaque jour, tu dis que mec, tu es en train de te ressentir que je ne veux plus, que je veux vraiment rester avec mon mari bien, bien. Tu restes, c'est comme une maladie qui rentre dans ton cœur. Et quand tu vois le petit là de dehors, tu ne sais même pas ce qu'il te donne. C'est même si tu donnes l'argent. Si c'est pour l'amour, c'est pas comme si. Mais te voilà dehors chaque jour. Il y a les gens qu'on fait. Donc, on te lance le genre de choses que tu vas détruire ton mariage toi-même. Si c'est pour les hommes, alors il y a beaucoup d'hommes ici là que pour toi qu'on a lancé là, tu vas seulement que vagabonder. Et comme elle dit, il a mené à l'enfant dehors avec quelqu'un. Et rien ne prouve qu'elle n'était pas avec la fille avant même qu'elle ne le trompe. Mais comme il a attrapé sa part, c'est fini. Hein. Donc, il a condamné, scellé, il a mis sur la chaise électrique. Seulement, il ne veut pas appuyer le bouton pour qu'elle meure. Il faut attendre, il faut qu'elle meure à petit feu. Écoutez, je dis bien que servez leur sauce. Dans la sauce que quelqu'un te sert, c'est ça que tu lui remets. C'est le njangui. Tu viens chez moi, tu apportes quoi? Tu apportes la sauce pimentée, non? Je mets ça au congélateur. Le jour où il vient chez toi, je retire la même sauce que tu avais pour me donner là. Je prends, il vient et te donne. La même chose. Et tu connais ce que c'est quand tu vis avec un homme à la maison. Il y a les autres enfants, ils visent seulement ton argent dans un compte bancaire. Même te parler, même te dire bonjour, ne te dit pas. Parce qu'il veut te rabaisser. Devant les enfants. Devant tes amis, alors ne tente même pas de faire la fête quand il est là. Ou bien d'inviter les gens quand il est là. Tu vas lire l'heure. Tu vas t'humilier devant tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que vous subissez ça. Vous subissez ça. L'humiliation quotidienne dans votre foyer. Écoutez, ce n'est pas normal. Vous me comprenez? Ce n'est pas normal.
tu dois pouvoir détecter ce qui est nocif, ce qui est malsain pour ton esprit. Quand tu restes là, jusqu'à ce que tu vois, tu te sens mal, à un moment tu peux même te suicider. À un moment tu fais comme cela. À cause d'un homme ou d'une femme. Pendant qu'elle a besoin de vivre, d'enjoy. Il ne rentre pas le soir, hein, ou c'est le soir, le matin. Oh. L'indépendance financière est importante. Et cette personne en particulier dont je parle, elle travaillait dans la société de l'homme. Donc elle a découvert sa découverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté de travailler avec directement, non? Il a renvoyé à l'instant. Un homme qui connaît que, ok, chaque mois, tu as peut-être 300 000 dans mon entreprise. Du jour au lendemain, il coupe tout. Et ça fait 4 ans. Je crois que c'est le mot de passe ou c'est le passe, c'est le ticket pour que tu partes maintenant vraiment te chercher dehors. On t'humilie devant tes enfants. Tu ne peux pas gronder l'enfant. Parce que dès que tu vas parler, on s'assied là, mouf. On va te chiffonner devant les enfants. Vous devez. Je te sers la sauce que tu me sers. Parce qu'il y a la demande de pardon. Que quand tu demandes, tu dis que la date a expiré pour ma demande de pardon. Je te supplie chaque jour, mon père. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que si ce sont. Si Dieu avait dit que, ok, tiens le boulon-ci. Pardon, enlevez la poule, c'est Anatole. Anatole! Vous allez voir la jalousie en pleine journée. Regardez. Regardez. Regardez ce qu'Anatole fait. Anatole, tu es méchant, hein. Dépose là-bas, les gens vont voir comment Anatole veut le taper. Tu as fui. Regardez, regardez. Anatole, tu vas gâter ta réputation aujourd'hui devant les gens. Il fuit. Il fuit, rien, mais fuit. Il fuit vraiment comme un petit bandit. J'ai des scénarios dans ma maison. Hein. Ouais, Anatole. Il voit la caméra, il fuit. Il connaît ces mauvaises choses qu'il fait. Écoutez, il y a les gens qui. Si on avait dit que le bouton, si c'est la respiration de Jocelyne. Que si tu appuies, cela, elle va arrêter de respirer, elle va mourir. C'est que la personne, là, dès qu'on lui donne le boulon, là, il appuie, tu meurs. Non, il te dit. Il y a les gens qui, s'ils connaissent le boulon qui va appuyer, ça va te tuer. C'est pour ça que le blanc, lui, ne blague pas, non. Il paye un tueur en série, on vient, on te tue. Il dit que ma femme est morte, il dit pour lui quoi. Anatole m'a gagné aujourd'hui. Vous savez, regardez, écoutez, ce que je vous dis là, hein. Il y en a parmi vous, c'est le père de vos enfants. Oh, le père de mes enfants, 5 ans plus tard. Quand il voit tu avances même, il va revenir. Il faut qu'il appuie le boulon comme ça. Il va s'assurer que tu n'évolues pas. Il y a des hommes qui sont dans votre vie, ce n'est pas pour vous faire avancer. Je suis désolé, vous le dis clair. L'humiliation. Les tromperies, parfois ils ne se cachent même pas. On connaît que c'est la... Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Donc je vous en prie. Comme elle essaie devant moi, moi lui et moi parler. Il y a les conversations que je n'ai. Ma bouche la sort sur toi jusqu'à te gronde dans copier. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tes enfants vont souffrir, non? Voilà, c'est bon. Elle connaît. Ceux qui peuvent avoir encore deux enfants, il va avoir deux enfants dehors, non? Tu sais ça, non? Voilà, c'est bon.
Parce que parfois vous faites comme si l'homme là c'était le début et la fin de ta vie. L'autonomie financière, l'indépendance mentale. Imagine que depuis 4 ans, elle rentre à la maison. Dès qu'elle voit le voix, comme ça, là, ça lui rappelle le geste qu'elle a fait il y a cela 4 ans. Quelqu'un que tu fais une erreur, dès que tu... Et lui, là, tu n'as pas besoin de parler. Tu ne peux pas parler pour lui. Hein. Tu ne peux pas parler pour lui. Avant de rester, tu laisses qu'on te tue à petit feu. C'est comme ça que tu fais après, à 38 ans, tu as le cancer. Bah, tu es parti t'asseoir dans la maison, on t'a sucé. On t'a sucé. Te donner les paroles qui vont te vider chaque jour. Voilà, je ne sais pas quel âge elle a dit qu'elle a eu la ménopause une fois. Comme je te vois là, tu es en train de te ronger toi-même à l'intérieur, à petit feu. À petit feu. Et si tu rentres, tu demandes son autorisation avant de faire quelque chose. Tu vas voir, tu vas lire l'heure. On te paye la formation, c'est tout fini. Que pas fait. On a payé tout l'argent. On dit, va faire. Un petit, tu se passes à la maison, on arrête ta formation. Pourquoi? Parce que c'est que dès que tu finis la formation, tu vas commencer à travailler. Et il sait que la seule façon de te déranger maintenant, c'est qu'il faut qu'il prenne ton argent. Elle est jeune, elle est belle. Je crois qu'elle a seulement couché tôt, par exemple, pour bien en faire grand. Et que les hommes là, ils aiment faire comme si, genre, ok, si moi je te jette, personne ne peut te ramasser. Personne ne peut te ramasser. Kafui Serge, écrire à ce numéro 693 50 22 66 pour checker ta commande. Tu as compris? Donc pour lui là, c'est que comme il t'a jeté là. Mais si un jour il sait que tu sois avec nous, mais mon fumidé. Jesus is Lord. Le gens qui te voient, il faut que tes cheveux soient toujours un peu par là, pas là, comme ça là. Tu n'as pas t'arranger. C'est que je n'arrive même pas à comprendre. Ok, il t'a laissé chez lui. Ça fait 4 ans. Vous faites chambre séparée, donc chacun est de son côté. Vous ne vous parlez pas. Et si quelqu'un te passe pour t'insulter. Maman, c'est là. Il ne mange pas ta nourriture. Donc, il sait que tu ne peux pas seulement pour nos enfants. Gars, le jardin là peut te tuer. Gars. Il peut te tuer la nuit quand tu dors. Hey, Jesus. Non. Si tu vas mourir, toi, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu vas mourir, il va continuer à vivre. Il va me prendre une autre femme de l'année. Parfois, quand vous voyez, tu sais que si tu meurs, dès qu'on finit là, on enterre là. Tu sais que notre famille reste dans ta maison, non? Tu sais ça, non? Ok, c'est bon. Si le volume est bon, c'est bon. Quand vous acceptez souvent les choses, pensez, pardon. Donc, tout son objectif depuis 4 ans maintenant, c'est de faire que l'homme lui pardonne. Parce que il était devenu ton devant derrière, ton Dieu. Et il veut faire tout pour rester ton Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui t'a accouché. Tu n'as pas rencontré le ventre de ta mère. Est-ce que vous êtes jumeaux? Vous n'êtes pas jumeaux, non? Voilà. Donc, lave un peu ta tête, lave ta tête. Arrange-toi un peu. C'est parce que je ne vais pas lui donner les conseils qui sont pas bons. Je vais pas donner les conseils méchants. Ah, c'est une belle femme. Hein. C'est une belle femme. En fait, tu te regardes dans le miroir, comme ça, là, tu crois que tu es devenu des caca. Tu restes 4 ans. Et celui qui en 4 ans, là, il n'a pas touché. Et tu crois que lui a raison, ça s'en fait. Hey.
les gens d'hommes là, ils savent à qui vont aller faire ça. Ils savent à qui vont aller faire ça. Pardon, mettez-moi mes cœurs ici là. Eh hey, Seigneur, je ne veux pas moi dire les choses qui ne sont pas bien. Ah, ma bouche de manger. Le conseil que vous m'avez été donné. Tu viens à peine de commencer tes lavages. Tu viens à peine. Tu viens à peine. Ton travail spirituel, tu vas le reprendre. Bien même. Et ta puissance, parce que là où tu es là, tu es affaibli. Tu es affaibli. Parce que quand le genre de personne l'a fait, c'est le genre que tu rumines, tu te tues toi-même de l'intérieur. Maintenant, tu vas te reconstruire, tu vas apprendre à t'aimer. Parce qu'il ne t'aime pas et en plus, il fait que toi-même, tu te détestes. Ça, c'est un double meurtre. Et il y a ta imagine, on te ridiculise devant tes enfants tous les jours. Donc, ton estime de toi est finie. Tu es aussi là comme ça. Et quand on s'en coupe encore ton argent, c'est grave. Elle dit que c'est souvent ses enfants qui la dépannent. Donc quand papa donne aux enfants, les enfants viennent donner maintenant à maman. Je sais pas si vous voyez un peu le mental, vous voyez un peu le lavage de cerveau là. Oh, comme on vous a dit que si tu divorces, ça veut dire que Dieu, tu vas aller en enfer. Donc il faut souffrir. Tu dois d'abord souffrir sur la terre. Avant d'encore. Non, pardon, arrêtons. Ça veut dire que ça fait 4 ans que tu n'es jamais resté au sein. Peut-être même avant ça, parce que quand ils ne font pas tromper un homme, ça veut dire qu'il y a d'abord les choses à l'intérieur. Je ne vais même pas parler de la partie là. Je ne vais même pas parler de la partie là. Quand tu trompes un homme, parce que l'homme, tu peux lui donner tout à la maison, il te trompe. Mais si la femme ne peut pas te tromper, gars. Ça veut dire que peut-être même ça fait même 8 ans que tu es là comme ça là. Tu es aussi là comme ça. Un jour tu es pour rester comme ça là comme David, il traînait, il n'est pas parti en guerre. Il a vu Bathsheba qui est passé là-bas comme ça. Tu as aussi dit que ah, j'ai même quoi faire aujourd'hui. De toutes les façons, est-ce que l'homme là, est-ce qu'il me touche même un peu? Rien. On se voit après le lavage Adélaïde. Moi je ne peux pas culpabiliser. J'ai même trop. Mamie, apprends à t'aimer. J'ai compris que si je ne m'aime pas, personne ne va m'aimer. Avant que je cherche l'homme, je disais, oh, je veux qu'il m'aime. Tu vois, quand Saint-Valentin arrivait comme ça, je dis, j'attends qu'il me donne des fleurs, j'attends qu'il me donne du chocolat, qu'il m'envoie le message, il me dit qu'il m'aime. Tu attends, croc, le 15 février, 20 février, croc, ton anniversaire vient même, croc, rien. Après, je dis, hey, chérie, mais tu ne m'aimes pas. Il dit, non, je m'aime. Il dit non, je m'aime. La souffrance, c'est un choix. Julio John, il faut venir en inbox si tu connais parler. Je veux t'épouser. Tu as les côtes. Moi, il n'y a pas de souci. Tu as compris, non? Je bénis ta dîme, Christelle. Tu l'as choisi. Écoutez, hein. Supposons que tu meurs dans 45 ans. Quand on va mettre le cercueil comme ça, on va te coucher dedans, on va partir, on va te déposer dans la tombe, on va fermer. Tu sais que c'est fini, non? Tu sais ça, non? Tu sais que c'est fini, non? On va aller à Badjoun, on va finir, on va... Avant, on dit bye. Tu sais ça, non? Voilà. Ok. Tu as encore souffert pendant 45 ans, non? On peut même tu peux même mourir le mois prochain, tu sais, ça ne nous dérange pas. Bah, tu m'avais tout fait, mes directs. Hein? Tout va continuer, sauf ta vie. Tu comprends? Vous là que vous voulez soit arrêter vos vies là. Oh, mon fils est parti, je vais me tuer, mon enfant. Oh, mon mari m'a lésé. Oh. Oh. Même le temps là d'abord il va voir. Est-ce qu'il va même d'abord même voir le temps là? Le temps des bébés, j'étais les bébés. Ok. Il rentre, Wanda, que tu n'as pas mis sa nourriture sur la table. Parce que tu es. J'aime beaucoup les Anglaises. La vie des Anglais, mon frère.
Elle dit, baby, je suis sortie avec les copines, on est rentré tard. Bon, il y a la nourriture au frigo, est-ce que tu chauffes, tu manges? Parce que le chat, homme, s'il se nourrit de ta faiblesse, quand tu marches derrière lui chaque soir, il se nourrit avec ça, qu'il te nague, il te parle mal. Il sait qu'il a la réunion comme ça, là, il invite ses amis. Ce n'est pas toi qui as préparé. Ce n'est pas toi qui as préparé. Au compliment de la nourriture. Il dit non, j'ai pris un traiteur là-bas dehors. Oh Seigneur, les femmes. Les femmes. Il y a les gens que quand vous souffrez, ça leur plaît. Il est content. Tu vas le supplier pendant 6 mois. Mon père, si c'est n'importe quoi que tu voulais que tu me donnes, je crois qu'en 6 mois, il peut travailler. J'ai aussi la chose là. Donc, au lieu de supplier, bébé dépend l'énergie, les pas, il travaille. Parce que vous n'avez pas de plan, les femmes. Vous n'avez pas de plan. Comme il te voit comme ça, là, tu n'as pas de plan. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Tu es seulement là, élan, élan. Donc tu attends seulement lui là. Depuis que tu l'attends là, il a fait comment? Ok, elle me dit qu'il n'a rien fait. Ok, c'est bon. C'est bon. Rappelle-toi que si tu meurs, même si demain que tu meurs, il va payer un peu pour tes obsèques. Ta famille va faire le reste. Dès qu'on va te mettre en terre, ne crois pas qu'il va stopper sa vie à cause de toi. Parce que pour moi, l'amour, c'est avec les actions. C'est pas quand tu meurs que oh, je l'aimais. Quoi? Te voilà, non. L'amour, ça se prouve quand la personne est encore en vie. Arrêtez de pas. On te met, mon cœur bat pour toi. On met une autre personne qui fait les actes. Je vais parler à mon cœur que cœur, tourne-toi comme ça. Fais non. Tourne-toi comme ça là. Oui, il y a les hommes qui aiment quand les femmes souffrent. Elle le supplie, bé, ouais. Tu n'es pas allé préparer à ma mère, pourquoi? Je ne veux plus t'épouser. Là, voilà qui pleure derrière lui alors tous les jours. Oh, chaque jour, devant sa porte, elle pleure. Ouais, chérie, pardonne-moi, non. Maman. Bé, là, va... il y a des filles ici, dehors que Bé, là, marche derrière les filles, là. Bé supplie. Certaines personnes là dehors. Arrête ton cœur. Et quand tu sais qu'une femme, tu peux t'aimer jusqu'à un moment, tu dis que yeah, il doit être heureuse comme ça. Tu veux quelque chose, tu achètes, tu enjoy. Tu veux aller quelque part, tu pars. Jusqu'à lui-même, il reste comme ça. Là. Il dit que. Il appelle que non, j'ai voyagé, oh, je partais un week-end avec les amis à Kribi. Hey, Jesus is Lord. Tu vas rentrer, il va même pas te parler. Il ne te parlait même pas d'abord. Il va pas te parler pendant 6 mois. Parce que tu allais t'enjoy à Kribi. Quelle est la dernière fois où tu allais quelque part, ça te plaisait aussi, mamie? C'était la dernière fois, c'était quand? Elle ne se rappelle pas. Elle se rappelle pas. Il y a les questions terribles qui sont venues dans ma tête. Et je suis sûr qu'il faisait même pas bien l'amour. Excusez-moi. Vous savez quoi? Moi, c'est là. Il ne parle plus. Il est sauf. Tu vas te retrouver en être veuve alors que ton mari est vivant. Il ne te rationne pas, il ne te parle pas, il ne te touche pas. Tu n'es plus marié, madame, tu n'es plus marié. Tu gardes le bijou sous ta main seulement. Tu n'es plus marié. Il ne fait plus ses fonctions. Je suis désolé. Mais si lui va remplir, il va remplir ses fonctions ailleurs. Pourquoi toi tu vas rester comme ça? Et c'est que les femmes camerounaises ont. Je ne sais pas comment ce qu'on a mis la tête des camerounaises. Qui avaient souffri. Vous allez voir beaucoup de femmes là dehors tristes comme ça là parce qu'on ne leur fait pas l'amour. Hein. Je vous dis, moi, quoi. On ne fait pas l'amour. Justement là comme ça là.
Imaginez 12 mois sans que quelqu'un ne te touche. 12 mois. Et elle a dit que ça fait 4 ans qu'elle voit son mari. Je suis avec une cliente ici là. Elle a trompé son mari une fois. Il a tapé non. Le message seulement. Hein. Le message. Oh. Depuis le jour là, il s'est assis sur ça pour couper tout. Il ne donne plus rien, il la touche plus, il ne lui parle plus. Et ils sont dans la même maison. Moi, hein, ce que mes idées sont parties loin. Pendant ta année. Écoutez, hein, on n'est pas venu souffrir sur la terre. C'est vrai que je suis en train de rire, mais. J'aime souvent aussi rester comme ça. Et au moins, je coule mon bain. Je me couche dans la baignoire. Je voyage, mais pas dans une ville. Je prends une chambre d'hôtel là-bas. Au bord de la mer, je ne sais pas trop quoi. J'ai un joy jusqu'à. Seul, hein. Où tu vas payer un massage. On te masse. Après, tu rentres, tu dors. Tu dis que, yeah, il doit pouvoir recevoir la paix comme ça. Après, tu sors, tu es radieuse. Tu es radieuse. Et quand tu te vois, tu es en train de chantonner. Il va même passer, il va te pousser dans le couloir. Il y a les gens sur la terre, ceux qui n'aiment pas votre bonheur. Et vous devez comprendre ça. Maintenant, est-ce que vous allez leur donner ce qu'ils veulent? Moi, j'ai passé mon accord avec moi-même. Si elle ne sent pas le flow, je ne fais pas quelque chose. Je vous ai fait attendre ici parce que quand elle finit, c'était stressé. J'ai dit que attendez, elle sort d'abord. Je vais attirer au bon moment. Si elle ne sent pas, elle ne fait pas. Imagine une femme qui se. Tu rumines, tu te manges l'intérieur. 4 ans. Tu ne restes pas si tu es heureuse. Non. Quelque chose va te faire plaisir. Yay. C'est la prison. En tout cas, chacun choisit sa part. Choisis. Bon, on a terminé. Je vous ai exposé le cas. Donc, donnez-moi les commentaires. Vous me dites ce qu'elle doit faire. Moi, il y a ma réponse dans ma tête. Il y a ma réponse. Il faut qu'elle se tuine. Elle achète des talons. Elle porte. Elle se coiffe comme quand elle était encore jeune là. J'ai reçu une mère ici là. Elle a au moins 46, 48 ans. Jacques m'a dit comment elle venait de Paris. On l'a draguée à l'aéroport. Elle fait son témoignage ici sur la chaise. Écoutez, on va sûrement faire les conversations sur le canapé ici dehors. Je vais faire le direct. Et elle avait les cheveux blancs. Vous voyez, elle avait une autre perruque blanche encore. Et elle est noire, noire, bien noire, noire là. Elle dit que. Elle a d'abord commencé à se laver les produits que j'ai envoyés. Elle est à Paris. Elle prend l'avion. À l'aéroport. Et elle avait une paire de tennis là, comme on fait. Une All-Star montante là que. Elle dit qu'elle entre dans le magasin, dans le shop, elle veut prendre quelque chose. Un Nigérian vient. Il dit, madame, aidez-moi à choisir un peu un parfum. Elle choisit. Il dit que prends ce que tu veux. Prends le parfum que tu veux et t'achètes. Elle dit, ah, elle prend quand même. Après, elle arrive dans notre magasin. Un Camerounais vient. Il dit, oh, il voulait encore proposer de lui acheter. Comment là, vous voulez quelque chose? Tout ce que vous voulez, vous achetez ici. Vous voulez quoi? Elle zappe. Elle arrive, mais tu as trouvé un Américain. On dit que tu t'es arrêté sur l'Américain. Pourquoi? Elle dit que parce que c'était mon goût. Elle me dit que l'Américain lui a acheté. Elle a monté ses lunettes Gucci qu'il a acheté. Elle a dit que non, il a acheté. Il dit qu'il venait pour la finale de la coupe. Et voilà. Donc, écoutez. Écoutez. Elle faisait 46 ans. Hein. Il est la vie, c'est là. Il dit que mamie, tu vas confirmer quand tu vas rentrer à Paris. Tu vas confirmer. Certains parmi vous, votre chance, c'est seulement qu'on te voit comme ça, on te donne. Quelqu'un te voit, ça là, pour rien. Il dit que tu sais quoi, maman, viens, viens. Viens. Je te donne quoi? Je te donne quoi? Non, mamie, ne te dérange pas. Tu vas rire, tu vas commencer à sourire. Tu vas sourire. Est-ce qu'elle quitte même pour trouver, pour chercher l'homme? Elle n'a pas besoin d'insulter son mari. Tout ce que moi, elle vous dit, c'est ceci.
Pense à toi. Aime-toi. Pardonne-toi. Parce que quand tu vas commencer à faire ça, même lui-même, il te dit, tu vas venir ici là dans un mois, me dit, ton mari là, il va encore te chercher. Je connais mes choses. Je connais mes ways. Ton mari va te chercher, ma chérie Ness. Il va encore courir derrière toi comme ça là. Il a vu une femme ici un jour. Elle me disait que wow, son mari ne la regarde plus. Les petits-fils sur le téléphone, wow, wow. Elle est partie. Deux jours plus tard, elle revient. Elle dit que maman, il s'est acheté devant moi avant-hier. Il m'a demandé pardon jusqu'à. Que tu veux quoi? Tu veux quoi? Il dit que ma chérie, ce n'est que le début. Pas seulement. Pas seulement. Rien n'est dû pour moi, mamie. Rien n'est dû pour Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible avec Dieu. Rien. C'est pour l'homme que c'est impossible. C'est pour l'homme. C'est pour ça que toi, tu dis que tu étais vide à l'intérieur. Ta foi doit remonter. C'est ça ta puissance. Ta puissance est dans ta foi. Tu dis que ça va marcher. Supposons que tu es quelqu'un que tu tournes dans 1 million de mots ou 2 millions. Du jour au lendemain, ils ont coupé ton argent. Car c'est l'attaque de l'ennemi sur tes finances. Peu importe par qui ça passe. Restauration. Tu commandes la restauration. On fait le fire. Bye fire. Voilà. Bye bye. Je continue mon travail. Bonne soirée à vous.